Viens, Manuel. Attends. Vous t'appelez un docteur? Oui, oui. Non, il plus à mentir. Vivre. Vivre. Comment va-t-il? Il se repose. Il est très calme. Il sourit. Quelle émotion. Quelle émotion. Cet homme est la providence. Oui, oui. N'exagérez pas. Il ne fait pas vivre mort tout de même. Il fait vivre les vivants. C'est déjà ça. Il a un très, très grand pouvoir. Anna, la potion, vite, vite. Désormais, mademoiselle. Oh, c'est vraiment qui croit pour moi. Je ne crois à rien. Oh, c'est dommage. Jolie comme vous êtes. Jolie? Moi? Je suis laide. Laide! Vous êtes jolie. Mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas encore. C'est tout. Tout. Vous avez sauvé mon fils. Merci. Merci. Je n'y suis pour rien. Bientôt, il sera tout à fait transformé. Vous faites des illusions, je vois. Eh oui, je m'en fais. Je m'en fabrique. Je suis un fabricant d'illusions. Je parle sérieusement, moi, monsieur. Je ne crois pas au docteur Miracle, moi. Excusez-la, monsieur. Mademoiselle Aglaé. Il n'y a pas besoin d'être le docteur Miracle pour voir que mademoiselle Aglaé n'est pas très heureuse. Occupez-vous du bonheur des autres, pas du mien. Ce n'est pas elle qui rendra cette maison gaie. Ce mur. Hélas, c'est nous autres. On a bien dit qu'on le démolirait, on a même commencé, vous voyez. Mais il est toujours. Nous vivons dans la nuit. Et dans la poussière. Oh, excusez-moi. Il y a tant à faire ici, je ne peux pas garder de bonne. Ah, ce n'est pas facile de trouver une perle. Une perle? Ah, vous voudriez une perle? Ah, oui, mais... Oh, attendez, non, il me vient une idée extraordinaire. Ah, oui. J'ai peut-être une perle pour vous. Oui. Oui, pour vous et pour... Et qui ferait tout à fait votre affaire, et pas exigeante. Oh, comment vous remercie, monsieur... Monsieur Schmitt. Permettez-moi d'écrire. Mais voyons, monsieur Schmitt. Oh. Tout ça est bien mieux. Si on était riche, on aurait du mal. Et pourtant, voyez-vous, c'est pas l'argent qui rendrait tout le monde ici. J'ai bien compris. Ah non, tout ce malheur, c'est plutôt moral, comme on dit. J'ai vu, j'ai vu. Ma petite Lydia, il y a des soirs où je l'entends sangloter. J'essaie de la consoler. Elle se désespère. Maman... Maman,
Je vais peut-être bientôt mourir. Et personne n'aura fait attention à moi. Personne ne m'aura embrassé. Je n'aurais pas connu le bonheur. Quelle tristesse. Et dire que c'est moi qui l'ai mis au monde. Parce que je suis... Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour elle? Et au fond, votre fille aurait surtout besoin qu'on l'aime. Moi, je l'aime, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Ah, il faudrait employer un grand moyen. Ah, vous me faites peur? Un moyen nouveau. Je veux voir les factures. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous en faites plus, monsieur Château. On remonte dans un instant et vous en êtes encore là? Bien, bien. Oh, allez, brouillez-vous, hein, ou sinon. Lumière! Pourvu qu'il n'ait pas coupé le courant. Allez, allez, allez. Taille, monnaie. La monnaie, c'est précieux, hein. C'est pas vous qui payez les frais généraux. C'est pas vous non plus. Mais qu'est-ce qui vous parle? Je dis, pour ce qu'on est payé, on a bien le droit de prendre son temps. Trop payé, c'est tout ce qui sait dire, ça. Tout le monde en scène! Allons, vivant, tout le monde en scène! C'est pas pressé, là, c'est encore une facture. Urgent, très urgent. Vous allez sortir à droite, au fond. Oui, à droite, là-bas. Attends, pour une fois, c'est pas une facture. Et puis alors, tout va ensemble. Dis donc, il est venu foutre mari? On répète dans 10 minutes, il est en train de lire son journal? Depuis quelque temps, il y a la tête à l'envers. Oui, ben, le directeur va la lui remettre à l'endroit. Et au bon endroit. C'est déjà fait. Et très bon. Pardon. Il ne se rend pas compte du tout, c'est vrai qu'il fait la mise en scène. Oh, ça, par exemple. Oui, bon, ça va. Avant d'aller plus loin, mes enfants, j'ai une nouvelle. Une grande nouvelle pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous payer? Mieux que ça, monsieur de Rivelle. La réputation de mon théâtre attire ici un impresario américain. Et oui, il va assister à la répétition. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Nous n'avons pas des gueules pour l'Amérique. Il va peut-être engager certains d'entre vous. Ah. Allez, alors commencez à répéter sans moi. Il m'attend dans mon bureau. Dis donc, c'est peut-être la fortune, ça. La fortune? Oui. Si elle est dans le bureau du directeur, elle n'en sortira pas vivant. Si c'était vrai, mon Dieu, mais ce serait trop beau, ça. Trop beau. Ah, mon Dieu. C'est vous qui avez demandé à me voir? Oui, monsieur. Moi, j'invoque une solution. Je porte à la prime à 25 000 francs. Et si les héritiers sont d'accord? Allez-y, ça coûtera encore moins cher. Il faut qu'on nous le ramène, vif ou mort. Bon, mais comme vous y allez, ça n'est pas un cimetière ici. Mais en attendant, s'il tue encore quelqu'un, qui est-ce qui sera responsable? Vous, comme vous y allez. Sans compter toutes les idées saugrenues qui peuvent lui passer par la tête. Non, mais... Turner, c'est une drôle d'idée que vous avez là. Mais enfin... Je signe le contrat. Signé, vous faites bien. Et voilà. Voilà. Merci. Oui, mais quand même, si je dévoilais ce qu'il y a là-dedans, vous ririez jaune. Non. Non? Pourquoi? Parce que vous ne révéleriez rien du tout. Et qui m'en empêcherait? Mais votre bonne foi d'abord. Et puis l'article 3. Vous me garantissez le secret sous peine d'une assez grosse indemnité. Oh là là, vous savez bien que vous pouvez compter sur ma loyauté. Mais je n'en doutais pas. En attendant, alors, réglons l'autre question. Hein? Ah, petite question. Ah, excusez-moi. Voulez-vous vérifier? Merci. L'article 8, le dédit est prévu. Bon, je les ai tous jusqu'à la mi-carrière. Dites-moi, j'aurais peut-être besoin d'un comique aussi. Ah, j'ai le meilleur. Mais non, pas encore, les roses! Mais qu'est-ce qui peut manquer pour que ce soit parfait? Dis donc, est-ce qu'on me voit assez? Oui, ça va très bien de ton côté. Le mien? Toi, souhaite ton profil. Romain! Je sens qu'il manque quelque chose d'important, de très important. Dites-moi ce que vous allez faire avec ces deux, enfin avec ces trois personnes. Du bonheur! Avec. Parce que vous êtes compliqué tout de même. On y va? Allez. Allez, hop, tout en place. Allez, les machinistes, envoyez-moi. Allez, au rideau!